montré, jamais, et c'est là où j'ai découvert. Du dentifrice, vous faites le goya, on le mange, ouais, c'est pas nul. C'est une machine à digérer, en fait. Parce que les gens le mangent sucré, et nous, on est les seuls. Si on le mangeait à l'air, c'est comme si on mangeait une banane, tu sais, elle est à peine, même pas verte, elle est bleue, genre. Inago, c'est le Inago de Tsukulani, alors celui-ci, je vais être honnête, je ne sais absolument pas ce que... Ouais, et encore une fois, comme pour le Shinako, vous vous en doutez, dès que je suis un peu spécial comme ça au Japon, c'est un produit de luxe. En vrai, de vrai, je suis assez surpris sur les deux derniers, j'attendais vraiment des trucs vraiment dégueulasses, mais c'était surtout pour montrer qu'au Japon, on peut manger des trucs comme ça, tu vois. Derrière les ramen, les sushis, machin et tout, il y a des trucs comme ça, tu vois. Et ça, c'est pas un truc dur à obtenir, hein. Ça, c'est littéralement vendu sur Amazon, hein. C'était quoi du coup le pire pour toi? Je pense que le truc salé, hein. Le salé, ouais, il était balèze. C'est celui que tu préfères? Franchement, les secrets ne sont pas mal, elles sont pas. Heureux, coucou. Ça ronfle là. Ça ronfle ici. Bon, je vais me coucher, je suis toute seule en bas. Bon, ça fait un moment que je suis toute seule en bas. Hein. Je vous avais pris quand on a ouvert les colis de coco pour Camille et Chloé. Ensuite, nous on a regardé un épisode des 50 et après on est reparti chercher Mathieu au cinéma. Je vous ai dit qu'il était parti au cinéma. Il m'a dit que le film était nul à chier, qu'il a été regardé, mais bon. C'était un film d'horreur, je sais plus le nom. Il m'a dit que c'était trop nul. Bref, on a récupéré Mathieu et on est passé à Leclerc parce que j'avais oublié d'acheter de lâcher de bœuf pour de la chie pour faire les briques. Parce qu'on fait des briques, comme je vous ai dit. Jambon, chèvre, miel. Hachis, vache qui rit. Et poulet curry. Mais on avait oublié l'hachis. Camille avait déjà préparé ce jambon, chèvre, miel. Et du coup, quand on est rentré, Camille elle a été promener Django. Le chien de ma voisine, je vous l'ai dit. Et du coup, moi je me suis occupée de faire les briques hachis vache-kiri. Et Chouchou il s'est occupé de couper le poulet et de faire le poulet curry. Voilà. Et après c'est Camille qui a préparé les poulets curry. On a regardé le deuxième épisode des apprentis aventuriers. Je vous avais pas dit les 50 avant. Si je vous ai dit les 50, je me suis trompée. Les apprentis aventuriers. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit. Il y a deux secondes. Hein. J'ai fait mon montage, mais j'avais pas de place dans mon téléphone, j'ai galéré. Après, j'ai laissé tomber, j'ai donné à manger à mes filles, j'ai fait cuire les briques. Je me suis moins régalée que d'habitude. En fait, j'ai pas fait de la même façon que Camille. Déjà, c'est pas non plus mon kiff, quoi, je veux dire, mais moi, je mange les hachis vache-kiri. Et j'ai pas fait de la même façon que Camille. Elle a l'état de la vache qui rit. Moi j'ai mis le gros morceau. Donc Chouchou m'a dit si c'est très bon parce qu'on sent fort le fromage. Mais moi je me suis moins régalée. J'en ai mangé trois finalement. Trois briques et puis voilà. Je devais prendre un dessert là. Puis j'en ai même pas pris. Je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. Oh, pardon. Et ensuite on a mangé. Et puis moi j'ai regardé le live sur Facebook de ma mère. Elle faisait un live aujourd'hui. J'ai regardé son live sur Facebook et il a duré plus de 2 heures je crois, donc voilà, jusqu'à 22 heures. Et du coup j'ai seulement réussi à finir de faire mon montage, j'ai dû couper, j'ai dû supprimer plein de vidéos dans mon téléphone, c'était trop chiant. Du coup le vlog forcément il est arrivé à 23h30 pour vous, je viens de le mettre là il y a pas longtemps. Et puis, depuis tout à l'heure, je fais quoi? Voilà, j'avais mis mes chipettes et mes mémères sur, je sais plus c'est quoi le site, pour les concours des animaux, donc on met leurs photos, il y a des votes et tout. On a le droit à un vote tous les 10 minutes gratuitement et tout, donc bon, je les ai mises, les filles. Mais je suis dégoûtée parce qu'en fait, on peut pas mettre plus de 7 animaux. Donc ça veut dire que ceux qui en ont beaucoup comme nous, on peut pas tous les mettre. Bon déjà c'est que les chiens et chats, donc je peux pas mettre princesse, je peux pas mettre le poisson. Mais du coup j'ai pas pu mettre Sun, donc j'étais dégoûtée parce que je venais de finir. J'ai dit oh il me reste plus que Sun et je peux pas la mettre. Et du coup Camille elle m'a dit bah laisse, moi j'en ai un de compte aussi. Et du coup elle a mis Sun sur le sien. Comme ça au moins il n'y a pas de différence quoi. Sur toutes les 8 pour le concours c'est normal.
Bon, après, je m'attends pas à gagner, hein, parce que voilà, on va mettre nous un vote tous les 10 minutes, et encore quand on y pense. Là, moi, j'ai mis un vote à chacune, mais à chaque fois, je dois attendre 10 minutes, donc là, il me reste plus qu'à Ken moi le faire. D'ailleurs, bah là, ça a bugué la connexion. Je vais voter pour Kenmo et je vais me coucher. J'aurais fait un vote pour chacune des filles. Et on verra demain après. Hein. Je remettrai des votes demain. J'ai partagé sur mon Facebook de toute façon. Donc s'il y en a qui veulent voter, bon bah voilà, merci pour mes filles. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, tout à l'heure, mon voisin, il était revenu taper. Enfin, il était venu taper chez moi. Et du coup, j'ai dit à Camille, bah vas-y. Je sais plus ce que j'étais en train de faire, j'étais occupée. Et en fait, il a demandé à Camille si on voulait. Il a eu des gros cartons de friandises pour les chats, gratuits, il en a eu plusieurs. Et du coup, il demandait à Camille si moi j'en voulais un. Il m'en donnait un pour les chipettes. Et du coup, je vais vous faire voir. À l'intérieur, il y a 16 boîtes. Et dans chaque boîte, il y a 5 sachets de 5 grammes. Et tout à l'heure, du coup, j'ai dit, bon, je vais tester de leur en donner, voir si elles aiment. Et en fait, il y avait 15 bonbons dedans. Elles sont 5, donc ça leur faisait 3 petits bonbons chacune. Franchement, c'est cool. Donc voilà. Franchement, c'est cool. Regardez, j'ai une grosse boîte comme ça qui m'a ramené. Et c'est tout des... Ouais, c'est des Delicates Dreamies. Et vous voyez, il y a 16 sachets. Et à l'intérieur, je vais vous faire voir. C'est des petites... en fait, à l'intérieur... Attendez. Vous voyez, regardez, c'est toutes des petites boîtes comme ça. Et dans chaque petite boîte, du coup, celle-là, je l'ai ouverte, du coup, tout à l'heure. Dans chaque petite boîte, il y a 5 petits sachets. Donc, franchement, c'est trop cool, quoi. J'en ai pour un moment. Voilà, un petit sachet par jour. Bah, du coup, un petit sachet par jour, je vais faire longtemps, en fait. Hein. Je vais faire... si je leur donne... Bon, allez, même, on va dire même si je leur donne 2 sachets par jour... Ça fait quand même 40 jours. Franchement, on est pas mal. En donnant 2 sachets par jour. Franchement, pendant plus d'un mois, là, si je veux, ils ont des bonbons. Bah, tous les jours, après, moi, j'achète, hein, vous savez, les poulets fromage et tout. Donc, elles ont des bonbons tous les jours. Mais là, bah, ça me fait ça de gagner, quoi, du coup. Donc, c'est trop cool. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Oh, je suis désolée de bailler. Il y en a, ça va les déranger que je baille. Je suis désolée. Là, aucun courage. Hein. Franchement, j'ai juste pendu le linge à chouchou. Parce que quand il est rentré du boulot, il a mis tout de suite son linge à laver. Parce qu'il a travaillé aujourd'hui. Donc là, j'ai pendu son linge. Pas que ça reste dans la machine. Parce que si ça reste dans la machine, ça sent après. Donc voilà. Mais j'ai pas fait d'autres bâtés. J'ai pas fait ma vaisselle du soir. Il y a une grosse vaisselle. Pas de courage aujourd'hui. Et puis comme... je vous ai dit avec, je vous ai parlé des saignements machin et aujourd'hui plus que d'habitude, donc comment vous dire que je suis pas en grande forme, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Je commence à répondre à quelques commentaires, mais je suis très en retard dans mes commentaires comme d'habitude. Mais là, j'ai vraiment pris du retard parce que avec l'enterrement et tout machin, j'ai pas répondu aux messages en fait, j'avais pas la tête à répondre aux messages, mais là, j'ai commencé à répondre à quelques-uns. Mais je suis loin d'avoir fini. Donc je vous répondrai, ça c'est promis. Mais quand, je ne sais pas. Voilà. Voilà. J'ai des messages. Du coup, j'ai des personnes, j'ai l'impression qu'elles ont disparu. Alors bon, après, peut-être elles ne regardent plus mes vidéos. Hein. Mais là, je vous disais, Lila, je ne la vois plus dans mes commentaires. Ça fait un petit moment. Et je ne peux pas la contacter parce que ben, j'ai pas de. J'ai rien en fait pour la contacter. Donc j'espère qu'elle va bien. C'est le plus important. Après, si elle regarde plus mes vidéos, c'est pas grave. Mais le principal, c'est qu'elle va bien. Là, j'ai vu que ça faisait un petit moment. J'avais pas... Ou alors, j'ai pas répondu, j'ai pas vu. De Sylvie... de Amiens. Ça fait un moment que j'ai pas vu ses commentaires non plus. Alors, soit... Je les vois pas dans ma communauté. Enfin, dans ma communauté. Dans YouTube Studio. Ou ça fait un moment. Donc c'est pareil. J'espère que tu vas bien aussi. Enfin, il y a plusieurs personnes qui je vois plus de messages. Bon, après, je comprends, hein, chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre quand je vois toujours les mêmes noms, vous voyez. Et que du jour au lendemain, bah, il n'y a plus ces noms-là, en fait. Donc ça me fait drôle. J'ai toujours quasiment les mêmes personnes qui commentent, en fait.
D'ailleurs, un grand merci à vous, franchement, d'être là tous les jours dans les commentaires. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est important pour moi et ça me fait énormément de bien. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit tes vidéos, ils me font du bien, je regarde le soir, j'aime beaucoup. Donc bon, sans le vouloir, en fait, je vous fais du bien avec mes vidéos. Et mais vous, avec vos commentaires, vous me faites énormément de bien aussi. Voilà. Même si pour vous, c'est qu'un petit message. Mais franchement, ça fait beaucoup. Ça fait du soutien et ça fait plaisir. J'ai des cernes. Je suis fatiguée. Vraiment, je vais me coucher. Voilà. Ah oui, et puis c'est ça que je vous ai pas raconté. Du coup, quand j'étais en train de faire cuire les briques, Mathieu, il est descendu, il me dit, bon, je vais courir avec mon copain. Ah bon. Bon, Mathieu, qui sort jamais, il a été au cinéma et après, il s'en allait courir avec son copain. Je dis, bon, tant mieux, hein, ça a pu sortir. Même si je suis une maman stressée pour ses enfants, mais il faut lui laisser ça, faut le laisser un petit peu, voilà. Hein. Sortir, il a raison. Bon, puis je sais que Mathieu, c'est pas lui qui fait des conneries. Hein. Donc, du coup, il est parti courir avec un de ses copains et tout. Et peu de temps après qu'il soit parti, il m'appelle. C'est bizarre qu'il m'appelle déjà. En principe, il m'envoie un message au pire pour me dire qu'il est là, il est bien arrivé et tout. Et là, il m'appelle. Je dis, ma mère, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, il y a une femme qui était à côté d'eux, apparemment, de lui et de son copain. Et elle est remontée dans sa voiture et elle est redescendue vers eux. Puis elle les a appelés. Elle dit, excusez-moi, elle dit, j'ai 3 places de cinéma. Si vous les voulez, je vous les donne parce que bah, c'est bon jusqu'à ce soir en fait. Elles étaient bonnes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 9, donc jusqu'à ce soir. Du coup, bah, les garçons, ils les ont pris. Hein. Et du coup, bah, il me dit, du coup, on va retourner au cinéma ce soir. Bah, je dis, écoute, fais-toi plaisir, hein, retourne au cinéma. Lui qui sort jamais, là, il aura fait 2 cinémas dans la même journée. Et du coup, bon, ils ont demandé à un autre copain qui est souvent avec eux, mais il n'avait pas envie de sortir, parce qu'en plus, c'est le seul qui a le permis. Il n'avait pas envie de sortir. Du coup, je dis, bon, bah, moi, je regarde le live de ma mère, mais s'il faut, je dis, je vous ramène, c'est pas grave, ça me dérange pas, puis je viens vous rechercher. Tout compte fait, c'est la soeur de son copain qui les a amenés puis qui a été les rechercher. Donc ils ont été qu'à 2 du coup. Donc il y avait une place. Voilà. Ils n'ont pas pensé. Je dis, arrivé au cinéma, si vous étiez un peu en avance, je dis, vous auriez dû attendre quelqu'un puis lui donner la place, mais ils n'ont pas pensé. C'est dommage parce que bon, au moins ça aurait fait plaisir à quelqu'un d'autre. Et du coup, ils sont retournés voir un film d'horreur aussi. Donc, parce qu'il avait regardé un film d'horreur, un genre de film d'horreur cet après-midi que c'était nul. Et là, il a regardé un autre genre de film d'horreur. Il me dit, bah pareil, ça n'a pas fait peur du tout. Et il dit, franchement, c'est pareil, c'était nul. Donc, je dis, bah alors toi, je crois que Mathieu, il n'avait pas été au cinéma depuis 2019, il me semble. Ouais, si, c'est même pas avant. Et là, il y va 2 fois dans la même journée. Et 2 fois, il me dit, le film, il était nul. Bon, je dis, ça va, les 2 fois, t'as pas payé. Donc... Parce que bon, là, c'est la dame qui les a offerts et ce matin, c'est pareil, on lui a payé. Donc, du coup, si ça va, t'as été au cinéma, mais t'as pas payé, heureusement, parce que bon, 2 films nuls, quoi, du coup. Donc, il était un peu deg, mais bon, ça le fait sortir, ça lui fait du bien. Voilà, ça lui a fait du bien. Là, il est revenu, il était 22h30, je crois. Ouais, quasiment 22h30. Puis bon, il avait pas mangé, du coup, depuis. Bah, il avait pas mangé du tout, je crois, de la journée. Donc je lui dis, faudrait que tu manges quand même, hein, parce que ce soir, bah, comme il a pris, il partait au ciné et tout, il m'a dit, j'ai pas le temps, donc il m'a dit, je mangerai en rentrant. Du coup, là, il s'est fait réchauffer des briques. Quand c'est comme ça, il repasse 5 minutes à la air fryer et apparemment, c'est très bien. Enfin, je dis apparemment, mais j'en ai déjà mangé aussi et c'est très bien. Et du coup, là, il s'est fait cuire des briques poulet curry à l'air fryer. Et du coup, là, il me dit, bah, tout compte fait, je vais manger dans ma chambre. Je dis, bah, vas-y. Hein. Je dis, sinon, j'allais te laisser la place, j'allais monter, mais il a bien fait de monter parce que ça fait plus d'une heure que je suis encore en bas. Voilà, voilà. Kimi, elle va se mettre sur le carton. Kimi, elle attend, je pense, pour aller faire dodo. Aller faire dodo? Kimi? Ah, c'est parce que j'ai mis la boîte sur la serviette et depuis tout à l'heure, elle est couchée. Sur la serviette. Oui. Elle veut se coucher sur la serviette. Ah mon bébé, on va aller faire des dodos, mon amour. Bon, on va aller faire des dodos, mon cœur. T'as tes oreilles chaudes, toi. Tu t'es emmitouflé parce que t'as tes oreilles toutes chaudes. Il y en a une, je crois qu'elle est pressée de faire dodo aussi. Ah, tu veux venir? Allez, viens, maman. Viens. Viens.
Viens faire un câlin. Viens voir aux abonnés que tu fais des câlins encore à sa maman. Mon bébé. Tu fais des câlins à sa maman? Tu fais pas de câlin? Pas de massage aujourd'hui? Elle va m'en faire un, mais arriver dans la chambre. Elle ne vous fait pas en public hein, quand même. Non mais, hé, abusez pas non plus. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Ouais, et sur le live de ma mère, moi j'ai rien pris. Si j'avais pris un parfum pote rouille. Bon, j'ai dit, c'est pas forcément le dessin animé préféré à Mel, mais elle aime beaucoup Pat Patrouille. Donc, quand j'ai vu le parfum Pat Patrouille, ma mère, elle les vendait 2 euros. Du coup, j'en avais pris un. Mais bon, tout compte fait, moi, je dois rien parce que, comme ma filleule, elle était. Donc, ma filleule, c'est ma soeur, Laetitia. Elle était sur le live aussi. Et comme c'est la marraine à Mel, du coup, elle m'a dit, bah, c'est moi qui le paye pour Mel. Donc, voilà. Donc, bah, moi, du coup, en fait, c'est comme si j'avais rien acheté. Mais Mel, elle aura un parfum de la part de sa marraine. Oui, d'ailleurs, il faut que je lui dise à Mel qu'elle appelle sa marraine demain. Demain après-midi. Sa marraine, elle m'a dit, si elle peut m'appeler à demain après-midi. Entre deux, elle appelle sa marraine, puis il reste une heure en appel, et puis voilà. Bon, c'est bien, parce que maintenant, on la voit moins, comme ma fille, elle est partie à 1h d'ici. Et elle n'a pas de permis. Et son copain, il n'y avait pas de permis non plus. Donc, du coup, on l'a voit rarement. On l'avait vu, comme je vous avais dit, fin septembre. Là, je l'ai revu au mois de février. C'est février qu'elle est venue, ouais. Et là, du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on va la revoir, hein, du coup. Peut-être cet été, je ne sais pas. Peut-être avant, je ne sais pas. On verra bien. Voilà, les amis. Voilà. Donc là, je vais prendre ma bouteille, mon pyjama. Je crois que mon pyjama il est en haut. Je suis pas sûre. Je sais plus si je l'ai remis en haut ou pas. Bon, bref, je vais regarder s'il y a mon pyjama. Je vais prendre ma bouteille. Je vais prendre à manger pour ma princesse. Qu'est-ce que je vais lui donner aujourd'hui? Je pense que je vais lui donner de la mâche aujourd'hui. Hier, elle a eu une endive. Je pense que je vais lui donner de la mâche aujourd'hui. Il faut que je prenne Mimi. Il faut que je prenne mes téléphones, forcément. Bon, il y en a déjà un là et un qui est branché. Et je pense que c'est bon. On sera bien. Éteindre les lumières. Ouais. Et puis on va s'installer. Hein. Là, je suis en train de. Ah, j'ai fait un montage parce que aujourd'hui, vu que j'ai pris du retard, là, j'ai déjà fait le montage pour dimanche soir. Là, je vais le télécharger comme ça, au moins, au pire des cas, demain, j'ai les lèvres sèches. J'ai plus qu'à l'exporter sur YouTube et à le programmer. Parce que quand en fait, je dois seulement faire un montage. Mais là, en fait, je vous ai tellement tourné de vidéos, pas de vlog, mais des vidéos à part, que du coup, mon téléphone, il est plein. Ah, je voulais vous montrer ça aussi. En fait, je vais plus m'arrêter. Hein. Je suis désolée. Hein. Je voulais vous montrer une chose que j'ai reçue de Amazon. Et franchement, j'aime trop. Le planning repas, du coup. Ah bah si, je vous l'ai pas dit. Hier, du coup, j'ai fait les wraps à midi. Et là, on a mangé de la raclette au soir. Ce soir, on a mangé les briques, je vous l'ai dit. Demain soir, ça sera... D'ailleurs, il faut que j'aille à la boulangerie. Du pain, de la soupe, du fromage, etc. Comme voilà. Lundi, midi, du coup, je vais faire la salade de pâtes comme la dernière fois avec surimi, tomate et tout. Donc, je ne vais pas tourner la recette parce qu'on l'a déjà faite. Lundi soir, par contre, on fait des kebabs. Donc, je vais peut-être vous faire quand même en vidéo. Mardi soir, c'est frites, œufs ou fricadelles ou saucisses, peu importe. Mercredi soir, c'est hot dog. Et voilà. Et après, il faut aller refaire des courses jeudi, mais du coup j'ai pas de repas, j'ai pas vraiment de repas pour les midis. On voit Camille à l'écran bleu parce que du coup on voit très mal. Attendez, j'arrive. Si je vous pose là, est-ce que ça va aller? Là, ça va aller. Bon, la lumière elle est pas ouf, hein, mais bon. Hop là, en fait j'ai reçu, c'est trop bien. Donc
Vous allez me dire c'est un caméscope. Mais en fait, ça c'est mon ancien caméscope. Enfin, c'est mon ancien. Il fonctionne très bien. Hein. C'est la marque Sony. Mon ancien caméscope, voilà. Il fonctionne très très bien et tout. Hein. Il est vraiment très bien. Mais là, je vais vous montrer celui-là. Il est excellent. Alors déjà, à l'intérieur, il y a une pochette comme ça. Pour mettre le caméscope. Je vais vous montrer du coup. Alors par contre, il est plus lourd que mon Sony. Et celui-là, c'est... Je ne sais même pas c'est quoi la marque. Il est comme ça. C'est à peu près le même genre en fait, hein, vous voyez. Alors attendez, hein, que je ne vous fais pas de bêtises parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Alors avec ça, la pochette, j'ai eu la télécommande, je vais vous expliquer. Ensuite, j'ai eu... non. C'est ça ou c'est ça? Attendez. Je fais une bêtise. Que je fasse de bêtises. Voilà, j'ai eu deux trucs comme ça. Donc c'est juste à hop, à visser. Bon, comment ça tient? Ça c'est pareil, c'est à visser là-dessus. Voilà, ça donne ça déjà. Hein. Ensuite, j'ai eu j'arrive à faire parce que moi c'est les chouchous qui me l'avaient fait de base. C'était pas moi. J'ai eu avec le micro et tout. Donc le micro. Alors, je ne veux pas que je vous dise bêtises quand même, parce que. Attendez, hein, que je fais pas de bêtises. J'ai pas envie de le casser. Je vais pas le mettre. Pas de mettre le micro. Normalement c'est ici. Hein. Puis ici il n'y a pas de lumière, alors je vois rien du tout. Attendez, hein, parce que moi je vois pas clair. C'est bien ici. Bon, écoutez, je sais pas. Je vais regarder comment il se met parce que je sais pas. J'arrive pas à le mettre. J'arrive pas à le mettre. J'arrive pas à le mettre. Alors, il n'y a pas une photo là-dessus? Comment il se place? Je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver? Comment ça se place ce truc? Je vais vous faire voir, voilà, comme on l'avait mis nous, ça serait bien. Mais j'arrive pas à le placer. Je sais même pas s'ils nous font voir. Normalement, oui. Il suffit d'enlever le cache, hein. Voilà, la clarté est chiante franchement, vous voyez, ça fait ça,
C'est trop, franchement, il est trop stylé. Et ensuite, j'ai eu avec aussi, il y a ça que vous venez mettre. Alors, ça par contre, attendez, parce que ça c'est pareil. Voilà, vous voyez, et ça c'est, ah, j'aurais dû, c'est bon, vous voyez, c'est pour le tenir et tout, je vais vous faire voir mieux de l'autre côté parce qu'ici j'ai l'impression qu'on voit rien, et avec, j'ai eu un câble, et j'ai eu le chargeur de batterie et deux batteries, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. J'ai eu le chargeur de batterie, les deux batteries. Vous allez me voir ou pas ici? Regardez. Oh, c'est chiant cette lumière. Ça c'est le... Non, ça va pas aller. On va se mettre ailleurs. Je sais pas comment je peux vous placer. C'est chiant. Regardez. Vraiment, il est trop stylé. Caméscope, le micro, la poignée pour le tenir. Et je vous dis, j'ai eu deux batteries et chargeur de batterie. Franchement, il est vraiment super. Et du coup, je vais vous parler de la télécommande. J'ai eu la télécommande. Pardon, regardez. Il est trop, trop bien. Et j'ai eu la télécommande avec. Et en fait, comment dire? Avec la télécommande, du coup, je peux faire pause, play et tout. Je crois que je peux zoomer aussi. Et sur la caméra, là, il y a le mode infrarouge. C'est trop bien. Genre, on a essayé, nous, on a testé dans les toilettes, du coup. Et franchement, si on met le mode infrarouge, même dans les toilettes, ça change rien. En fait, on nous voit super bien. Pourtant, on est dans le noir complet. On nous voit super bien et tout. Franchement, il est super, je trouve, comme caméscope. J'ai une application, du coup, sur mon téléphone. Et grâce à l'application, c'est pareil. En fait, sur mon téléphone, je peux voir ce que je suis en train de filmer. Et du coup, ça va enregistrer mes vidéos directement sur mon téléphone. Donc, je pourrais faire quand même les montages en filmant avec le caméscope. Donc, j'ai pas encore testé de filmer avec. Mais franchement, je suis trop contente. Il faut vraiment que je teste une vidéo avec pour voir si la qualité et tout, elle est trop belle. C'est un 4K. Hein, donc, mais franchement, j'en suis trop contente. Il est... super, vraiment super. Et franchement, sur Amazon, je trouve qu'il est pas non plus hyper cher. Et bon, c'est pas une collab, hein, attention. Hein. C'est pas une collab, mais voilà. Moi, c'est pas du tout une collab parce que ça n'a rien à voir avec YouTube et tout. Mais moi, je le teste et tout. Et en fait, du coup, je peux l'avoir gratuitement. Et c'est trop, trop bien. Donc, en fait, j'avance l'argent, si vous voulez. Et une fois que j'ai donné mon avis et tout, ils me remboursent. Et du coup, ben, en fait, moi, je garde l'article et je l'ai eu ben, gratuitement. Quoi, du coup. Mais ça n'a rien à voir avec YouTube, c'est pas une collaboration, rien du tout. Hein. Et du coup, sinon, il vaut 100, je crois que c'est 159 euros qu'il vaut. Mais du coup, ben, moi, je vais l'avoir gratuitement. Et j'en suis trop contente. Il est trop, trop bien. Franchement, il est trop bien. Vous avez plusieurs modes, hein, anglais, français, tout ce que vous voulez. Je vous dis, il y a le micro, il y a la poignée. Bon, la poignée, je m'en servirai peut-être pas, je verrai. Il y a le... Vous voyez le devant, là. Comme ça, au cas où, pour la lumière, en fait. Donc, ça peut être bien, parce que vous voyez les lumières qui m'embêtent tout le temps. Donc, ça peut être trop bien. Le mode infrarouge pour dans la nuit et tout. Il est trop bien. Je suis trop contente, en fait. Donc, je vais tester de filmer avec ça. Et... Là déjà, il faut que j'en parle, enfin, faut que je mette mon avis et tout. Et je vais tester une vidéo avec ça. Puis comme je vous dis, en plus, j'ai même pas besoin d'aller sur le PC parce que ça va m'envoyer toutes les vidéos directement sur mon téléphone. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Je suis trop contente. Mais il faut que je rachète une carte. Enfin, il me faudrait deux cartes pour être sûre quand je filme avec plus de gigas. Parce que là, c'est vraiment une 64 gigas, je crois. Et on peut mettre jusqu'à 256 gigas. Donc,
le mieux. Là, j'ai deux batteries, donc ça, c'est trop cool. Après, à voir, vous voyez, quand je fais une vidéo, combien de temps elle dure la batterie. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir deux cartes de 256 Go. Comme ça, je pourrais filmer ma carte si elle est pleine, que j'ai pas fait le montage. J'ai une deuxième au cas où. Mais je pourrais gérer mes vidéos et tout, c'est trop cool. Voilà. Bon, du coup, c'est ça que je voulais vous faire voir. Donc, je suis trop contente. Franchement, je vais tester. Donc là, je vous laisse, hein, parce que j'ai assez parlé. Et je vous fais des gros bisous. Non. Il n'y en a plus chez Bromiel. Il n'y a que poulet curry et hachis. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog, parce que là, j'ai parlé